Après, le jeu s'appelle Demon's Souls, hein. Il est dur. Mais ça, tu vois, je trouvais que la difficulté avant, elle était cool en fait. C'est une difficulté, je dirais, saine. La preuve, c'est que j'ai pu revenir à là assez vite parce que j'avais appris. Là, je sais que c'est un boss qui tout le temps me posera problème. C'est quasiment sûr. On est d'accord. C'est ça, On tu est vois, je dis. d'accord. C'est qu'il y a pas, là, il n'y a plus de phrase d'apprentissage. C'est ça que je dis. C'est Un... un tout Il y petit en a un peu. peu. Voilà, parce que j'étais surpris la première fois que je l'ai vu arriver avec deux ennemis, tu vois. Bon, voilà. Mais c'est pas pareil. Bon, tout ça pour dire que je vais quand même. Parce que j'ai changé ma bague, moi. Tu vas y arriver, de toute façon. J'ai aucun doute au fait que tu vas y arriver. Ouais, allez, va. C'est pas très drôle, en fait. C'est juste ça. C'est que là, je m'amuse pas à fond, quoi, tu vois. Où est-ce qu'il est? Où es-tu, gros gros? Ah, oh. C'est ça, continue de faire n'importe quoi, ça me va très bien. Où es-tu? Te voilà. Allez, reviens. Allez, ça y est, ils sont deux. Ouais. Ouais, non, vous voulez pas venir vous battre? Oui, ne descendent pas m'attaquer là. Il y a des moments où ils restent en l'air et ils font des allers-retours pour des raisons inconnues. Il y en a un qui m'a oublié, c'est très bien pour l'instant. Je sais pas où il est passé, le premier. Il est pas revenu depuis le début. Il y en a qu'un qui m'a attaqué, donc quand ils sont pas deux, c'est très bien. Ça m'est pas arrivé, mais keep going, hein. Écoute, le deuxième est venu, je l'ai un peu tapé. L'autre, il est toujours pas revenu, j'en ai jamais vu deux en même temps. Bah, c'est pas grave, go, hein. Écoute, je sais pas où il est, je vais pas me poser la question. L'autre, il a eu le temps de se buffer, par contre, pourtant, je vais bien viser la queue, je suis sûr.
Ouais, c'est toujours le deuxième. Putain. Allez, viens. Quasiment mort, le deuxième. Ça y est, le deuxième est mort. Faut que j'attende le premier maintenant, parce qu'il vient pas. Je sais pas où il est. Est-ce qu'il est parti et qu'il aurait bugué? Ah putain, si je peux pas le tuer, c'est pas drôle, hein. Ah Sérieux, hein? si, justement. Qu'est-ce que je fais, quoi? Fais des allers-retours, il va finir par te voir s'il est toujours là. Ouais. Ah, il est pas venu. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Mais pour autant, je pourrais pas le tuer s'il vient pas. Fais un aller-retour dans le C'est toute ce la que je suis en zone. train de faire. J'ai pas l'anneau du voleur, donc... Oh ouais, donc il est pas censé bugger. Merde, il est où ce con? Je crois qu'il viendra pas. Oh putain, c'est abusé ça. Vas-y, je vais le trouver. Hein. Tant que je peux le viser, moi, bon, après, c'est bon. Je le vois pas en l'air. Grève, il a dit non. Putain. Marre, C'est abusé. je suis pas payé assez cher pour ça. Allez. J'aimerais bien le voir en fait. Je vais me renseigner sur le wiki, voir si ça peut arriver, s'il y a un moyen de les débloquer. Exerve, il est plus là. Non. J'ai pas l'anneau du voleur, vous faites chier. Hein. Regardez bien, je vous le montre. J'ai acuité magique et bague collante, on est d'accord? Sympa le glitch du jeu. Ouais. Ah non, ça c'est pas cool quoi. Mais je ne suis pas équipé de quoi que ce soit qui me cache. Pourquoi vous faites chier? Mais je n'ai pas l'anneau du voleur. Qu'est-ce que vous tripez? Qu'est-ce qu'ils ont à vouloir me dire l'anneau du voleur, l'anneau du voleur, l'anneau du voleur? Je ne l'ai pas. Je suis en train de regarder. Il faut que je l'ai carrément pas dans mon équipement, enfin dans mon inventaire quoi. Non, ça n'a rien à voir. Bah ouais, donc je l'ai pas équipé là. Hein. Bon, il n'y a qu'une solution. Oui. Alors, si tu as un arc sur toi et que tu peux le voir et le viser, Non. ça peut le débloquer. Bah, si tu veux pas te suicider, le seul moyen c'est de reload et ça va te refaire pop dans le fight. Par contre, les deux, enfin, ça va tout reset, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est boosté et il est tombé. Ah, il est tombé. Il est tombé.
Mais le truc, c'est qu'il n'est pas mort. Quel gros con. Oh, ça c'est abusé aussi, hein. Et ça vient pas de l'anneau du voleur, hein. Non, non, tu l'avais pas au début. Non, je l'avais pas au début du fight, donc j'ai pas enlevé en cours de route, vous tripez, hein. Ah, vous voulez que je remette l'anneau, ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas où il est, hein. Essayer d'équiper et de l'enlever, mais je pense pas que ça changerait grand chose. Moi je pense juste qu'il a glissé, qu'il est tombé. Ça peut arriver des fois quand il se buff. Ça, c'est... C'est ce qui a marqué sur le wiki. Ouais, j'ai mis la bague du voleur. Ça va être très très bien. Il va moins me voir. Et puis je le vois pas, hein. Bon, je suis mort. Bon, super. Merci, jeu. Tu t'es suicidé? Ouais. Fallait reload, tu serais pas mort. Bah, je serais pas mort. Qu'est-ce que ça change, de toute façon? Bah, ça t'évite de trop taper le chemin. Ouais, enfin bon. En réalité, j'ai l'anneau du voleur pour commencer le niveau, c'est bien. Oh là, c'est vraiment dégueulasse. Franchement. Qu'est-ce C'est que je vrai. peux. Là, je peux vraiment rien faire, quoi. Non, non, bah ça c'est un bug du jeu. Ouais. Bon, c'est super. Je consommais plein d'herbes. Bon, j'en ai encore assez pour tuer le boss, quoi. Mais bon. Quelle misère, quoi. Ouais, non, c'est vraiment abusé. Ouais, puis j'avais vraiment géré, quoi. Bon, je vais le déséquiper plus tôt, comme ça on est sûr que je suis même pas près du brouillard. Voilà. Prendre la petite baguette, tout va bien. Allez, viens. Tiens, viens que je te manipule le comportement, toi. Oh, il est tombé encore, ce con. J'espère qu'il va revenir ce coup-ci.
Putain, je lui ai fait mal là. Hein. J'ai pas été gentil avec lui. Hein. Il a bien brûlé. Hein. Elle me refait pas le coup. Hein. Tu reviens. Hein. Et non, pas deux fois. Et là, je fais un super démarrage et voilà, il revient pas non plus, quoi. Ah si, le voilà. Bah, tu vois, quand tu veux, tu peux revenir. Ah oh. Où est-ce que tu es? Je sens qu'ils vont en revenir à deux. Voilà. Allez. Là, ils sont deux au moins, c'est sûr. Allez, meurs. Ah là, j'en ai tué un. Allez, viens l'autre. Tu vas lui taper dessus, oui? Allez, pète-lui sa queue de merde. Allez, viens, qu'on rigole. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Ah, te voilà. Ah ouais. Attends, je l'ai pas vu venir celui-là. Allez, viens crever là. Ah putain, j'arrive pas à le viser. Aïe, oh. Fallait pas tomber dans le vide, attention Renan. Allez, viens là. Aïe, oh putain. Ah! Aïe, putain, va-t'en. Oh là là, c'est chaud. J'ai plus d'énergie, s'il me reste ça. Oh là 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 là. Où es-tu, vilain? Oh là, il a encore manqué de me faire tomber, hein. Oh là là. Ah ouais. C'est pas facile, hein.
Allez, vise, putain! Ah, qu'est-ce qu'elle est casse-couille aussi à pas vouloir viser alors que le boss il est vraiment là quoi. Allez, meurs. Ah ouais. C'est mon dernier point de vie. Oh putain, c'est chaud. Où est-ce qu'il est? Vise-le, putain. Ça y est, il a été détruit. Eh bah putain, c'est n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. T'as réussi. Ouais, je l'ai tué. Hein. Voilà, bravo. J'ai plus une seule énergie, quoi. J'ai tout pris. Le décès. Ah, sa deuxième forme là, il m'a fait des trucs vraiment ouf quoi. Bah t'es content quand même. Non, c'était pas un boss très passionnant en fin de compte. Oh. Non, je te dis, j'aime pas ce genre de boss, vraiment pas. C'est. Ouais. Celui d'après, tu vas bien l'aimer. Bon, par contre, récupère l'âme du boss sur l'épée, prends les âmes qui sont sur le cadavre en face Ah, et j'ai rentre pas trop tard, je au suis parti. Nexus. Bon, c'est pas grave, je peux revenir, non? Oui, bien sûr. Attends, donc je vais à l'archipierre de l'anthropophage. Sur le boss, il y avait une arme. Non, une âme sur l'épée que t'as prise là. Enfin, tu sais, l'épée qui sert à téléporter. C'est l'âme du boss en fait. Ah, d'accord. Tu peux la consommer d'ailleurs, l'âme de. De ce boss-là? Ah, tu veux dire derrière, là, il y a un gars, c'est ça? Ouais, tu peux récupérer des âmes qui donnent beaucoup. Ouais, et tu me disais Sidon? Tu rentres au Nexus et tu vas Ah, consommer c'est des tout. âmes. Tu voulais juste que j'aille voir le gars derrière là? Ouais, que tu prennes des âmes. D'accord, je rentre au Nexus, ok. Et après, tu vas te taper un autre boss très rapidement. Il est très court le 3-3. C'est juste une tour à monter. Je fais pas le 5-1, toujours pas. Non, non, tu vas aller chercher ton sort craqué. D'accord. Ah oui, c'est le boss du 3-3, le sort craqué. D'accord. Lui, par contre, faudra pas bouffer son âme. Surtout pas. Faudra aller D'accord. l'échanger Alors au attends. sage. Bon, attends, je vais aller ranger ce que j'ai trouvé. Mais bon, bah non, j'ai rien trouvé en fait. Pas grand-chose. Tu peux consommer tes âmes, réparer tes Donc objets, prendre des nouveaux. l'âme de démon mêlé, je bouffe. Oh, attends, là, pas besoin. Et ça fait 19 600, c'est sûr, c'est cool. Voilà. J'ai 43 000 à dépenser. Bonjour, madame. Je vais d'abord les réparer, histoire d'être tranquille. C'est pas parce que ça coûte de réparer de nos jours. Je vais vérifier quand même que j'ai rien à déposer. Ah si, j'ai des éclats de pierre. Et là-dedans. Je fais quoi alors en fait avec mon niveau? Attends, je vais attendre de voir Ouais. ta table de perso. Encore 10 secondes, tu vas pouvoir le voir. Un level, ça coûte 8 214. Ah, ça commence à monter maintenant. Alors, je te vois voir la jeune fille en noir. Là, vous dites que je n'ai pas de membre inférieur. Encore de la magie. Je réfléchis. T'as vent en Intel, c'est pas mal. Je vais aller voir un truc sur le wiki, deux secondes. Vas-y.
Ah, c'est mieux que chez Alice Bloody Girl, c'est gentil, LinkedIn. Bah, Alice, j'ai jamais vu faire ce genre de jeu. Hein. Je crois qu'elle a peur. Hein. Je vais voir, tiens. Si. Salut, Pack Science. Tu vas monter à 24 en intelligence. Ah ouais. Tu montes en intelligence à 24 et tu bourres la magie après. Je dois pouvoir faire ça à 24. 1, 2, 3, 4. Et c'est tout. J'ai 4 Top. sorts maintenant. C'est cool. Mais j'ai plus de quoi prendre de la magie. C'est pas grave, tu monteras plus. Là, t'as l'intel maximal pour la fin du jeu en fait. D'accord, comme ça c'est fait, c'est ça. Mais j'ai même pas de sort à mettre. Ouais, mais t'inquiète, tu vas. Ça va venir très très vite. On va te faire faire le jeu avec. Alors attends, il te faudra 5 slots en fait. Je regarde, je regarde, je regarde. Il te faudra 5 slots. De mémoire, il n'y a pas de prérequis à avoir en magie. Je regarde vite fait, mais Vas-y, vas-y. De toute façon, moi, je vais faire une petite pause là. C'était vraiment trop violent. on te fera monter à. Non, en fait, non. Tu feras le jeu avec uniquement 4 slots de magie, ça devrait suffire. D'accord. Donc, tu veux que j'aille au 3-3 direct là? Ouais. Ouais. Je vais juste envoyer un SMS vu qu'apparemment le Skype ne marche pas. Où est-ce que c'est? Un petit instant les amis. Après cette intense bataille, je peux pas dire le moins que ça a été violent. Pour savoir, tu joues hors ligne ou en ligne? Hors ligne. D'accord. Le boss que tu vas rencontrer, il est assez drôle. Si tu joues hors ligne, c'est toujours le même en fait. C'est un moine. Ouais. Et si tu joues en ligne, ça peut être un autre joueur. Ah ouais? Ah c'est dommage, t'aurais aujourd'hui dû me mettre en ligne et tu serais venu et puis je t'aurais défoncé quoi. Il aura fallu que je mette ma marque au sol. Et alors? Bah, j'ai pas pensé à le faire. Ah oui. Oh, je sais pas si ça change quoi exactement en fait le en ligne. Bah, concrètement pour toi, pas grand-chose, si ce n'est que t'as ce boss-là qui peut être un autre joueur. Et t'as les alignements des mondes qui s'alignent en fait par rapport au serveur. Enfin, c'est une moyenne de ce que font les joueurs et pas par rapport à ce que uniquement toi tu fais. Mais bon, vu que tu t'en fiches de la tendance des mondes, c'est pas très très grave. Non, les serveurs sont pas fermés, il y a toujours des gens qui font du PVP sur Demon's Souls. N'arrêteront jamais. J'irai pas jusque-là, mais. Alors, 3-3. J'ai 7800 et je sais pas quoi en faire. Hein. Bon, va au 3-3. Alors attends, je vais virer la bague. Vu que je suis pas mort. Ouais, tu peux mettre la bague du voleur quand tu vas monter la tour, ça va t'aider. Bague du voleur et bague d'acuité magique. Ouais, pour monter la tour, ça va t'aider. Ok, c'est parti. Le trajet, il est minuscule, hein. C'est juste une tour. Archipierre de l'anthropophage, c'est parti. Il y a Tu un vas b... avoir une cutscene cool en plus. Ouais, cutscene dans la tour. Dès qu'on arrive, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon,
Il a un problème avec les chaises, hein, le moine. Un peu. Il y a beaucoup d'amis pour faire des chaises, Ouais. pour jouer aux chaises musicales au moins. Ah. Tu fais ça avec les meubles? Voilà, ça vibre dans la manette. C'est puissant. Ouais. Allez, qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est bizarre cette ambiance-là. Hein. Un petit peu. J'ai l'impression que tu me prépares un truc que je vais pas aimer. Ah non, non, non. Pour le coup, je suis complètement innocent à tout ce qui va se produire là maintenant. Innocent. Pas pourquoi je te sens jamais innocent. Hé, hey, putain, tu connais la défense? Pour une fois que je suis un mec cool. Hey, merde, j'ai aucune énergie en plus, moi. Peut-être falloir que j'aille acheter de l'énergie, hein, avec mes 8000. Au 3-1. T'as plus de soins du tout? Zéro. Oh, ouais, au pire tu peux aller acheter des soins. Bah, je sais pas, hein, ce que t'en penses, mais... Bah, Juste 5... le boss est super facile après, mais. Ouais, mais voilà quoi. Je te conseille de le faire plutôt au corps à corps qu'à la magie, d'ailleurs, le boss. D'accord, je vais chercher des soins. Ok. Pour le boss, do a barrel roll. Bah Ouais, faudra rouler pour éviter une attaque. Parce que là, ton bouclier ne te sauvera pas. oui. Ah oui, c'est... Ah, clairement pas, C'est fait trop mal. là, c'est la magie que tu vas récupérer. Ah oui, d'accord. Pat la hyène. Mais c'est qui tous ces gens-là? Ah, des temps d'attente. C'est des PNJ que tu C'est juste croises les PNJ que tu croises. Ouais. Pat la Et hyène, on l'a croisé, ouais, mais. Pat, tu l'as croisé? Et tout, c'est que des PNJ. Putain, la quantité de mana que j'ai, quoi. 24 d'intelligence, c'est violent, hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, il Tiens, sert bien. meurs! 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 Si, c'est le réalisateur du Club Dorothée, t'as raison. Tiens, donne-moi de la magie, toi. Vilain trash mob. Bonjour madame, ce serait pour vous acheter de l'herbe, s'il vous plaît. Un des PNJ les plus louches ever hein, pour te vendre de l'herbe. Un peu, ouais. Bon, j'en ai pu en acheter 6, quoi. Je vais Ouais, ça va prendre suffire. quatre d'épices fraîches en plus. Voilà. De rien. Le boss est vraiment très facile. J'ai été assez déçu d'ailleurs quand je suis tombé dessus la première fois. Ouais? Ouais, Comparé à j'étais là. celui que tu viens de te faire... Tout Ah paraît ouais, facile, quoi. ça a rien à voir. Après, c'est un boss PVP donc il a été fait pour que. Ah oui, d'accord. Pour Le que vrai tu... intérêt du boss, c'est d'affronter un autre joueur. Ouais, pas le moine, là. Le moine, il est tout pourri, il a pas de portée, il fait pas mal. Sa magie fait mal, par contre. Ça, y a pas de problème. Mais tu Mais... pourras l'éviter assez vite. Avec des roulades. Voilà, il faudra que tu do barrel roll. Je sais faire. Qu'est-ce que vous racontez? T'es content avec Serve en fait d'être modo? T'as vu, t'arrives, t'es modo tôt quoi. Je sais pas s'il s'en est rendu compte. Oui.
content avec Serf, tu peux ban les gens. Ils auraient dû me conseiller de tuer Yourte. Ils se plaignent que tu m'aies pas fait tuer Yourte. C'est pas très grave. Parce qu'il fallait le rayon d'âme pour faire le prochain sort, c'est ça? Non, il faut juste tuer ce boss pour avoir le Pourquoi prochain sort. j'ai pris rayon d'âme alors c'est fort? Bah, Rayon d'âme, c'est parce que c'est beaucoup plus puissant que Flèche d'âme. C'est l'écran intermédiaire entre récupérer un truc hyper pété et... Ah putain, non. Avec Serf qui a une clé mort pour taper des gens. C'est la fin. Waouh. Dans le Nexus, Yourte peut tuer tout le monde sauf les PNJ de la fin, le PNJ de la forge et. Là. Et Thomas, je crois, c'est tout. Oh, j'ai pas beaucoup d'énergie. J'ai envie de me mettre l'anneau de récupération en attendant. À la place de l'anneau d'acuité magique pour l'instant. Juste me remettre des points de vie un peu comme ça. Réfléchir 2 secondes. Je vais remettre des manas aussi. Oh, petite Les pause, les amis. poulpes, pour les tuer, tu peux te coller sur la gauche. Ils vont balancer leur sort dans le mur et tu te décales sur la droite quand tu veux leur lancer un sort. Est-ce qu'il y en a plein, c'est ça? Ils sont deux. Il y a deux poulpes dans l'escalier. Et une fois que tu as balancé deux poulpes, enfin une fois que tu as tué les deux poulpes, t'es au boss déjà. D'accord. Bah, il me reste. J'en ai tué un. Il y a Nero qui risque de pas tarder. Est-ce que tu veux leur mettre un interlude musical pendant ta pause? Allez, je fais un petit interlude musical parce que je fatigue. Parce Et que tout le monde veut écouter apparemment, t'avais Avril des trucs Lavigne. bien, c'est ça, Isang. Avril Lavigne, c'est très bien. Alors attends. Tu peux me le Faut que je remettre te repasse le dans le lien ou chat? c'est... Je te passe ça. Je vais sûrement recevoir des mails d'insultes et des menaces de Ouais, mort. mais c'est pas grave, ça, on s'en fout. Ouais. Voilà, les amis, c'est parti. Allez, moi je coupe mon petit micro. À tout de suite. On vous laisse profiter, hein. Des bisous!
Bon, je vais faire une petite pause pour manger, vite fait. Et puis, donc je vais vous mettre de la musique en plein écran, hein, vous inquiétez pas, je suis pas un salaud. À tout de suite, les amis. Champion. Gros plan sur tes yeux quand ils me disent je t'aime. Nos scènes de jalousie qui fatiguent tout le monde, la rue des Bernardins et le square Lambetta. Nos crises de fou rire juste au mauvais moment. Et nos jeux de mots ringards qui ne font rire que nous. Puis, notre premier rendez-vous dans un nightclub désert avec la bonne copine qui veut pas tenir la chandelle et qui se tire en râlant. Thank you.
commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier. Et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en ça. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur. Si différent, j'aurais su vous pardonner. Je serais moins seule à présent. Somnambule, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuent. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève. Chez moi, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur. En échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses. Je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir. En rouge et noir. En rouge et noir. En rouge et noir. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc, ça, ce sera pour tout à l'heure. Bon, on va essayer de reprendre, les amis. Il y a Nérou qui m'a rejoint, qui vient faire un peu de montage. Je ne vous dis pas quoi. Ce serait vous teaser. Mais vous l'entendrez peut-être. Et on est en Will pour cent. Will a été libéré. Hein. Voilà, la cage est ouverte. Attention, Will est par là. Donc tout peut arriver. Normalement, Isangouane m'a dit que le boss était facile. Donc j'espère que ça va être vrai. Et oui, il est très simple. Ah, ça va, Isangouane? Ça t'a plu cette petite pause musicale? Oui, j'étais en joie. Ah, t'as vu, c'était bien. Bon, j'avais l'effet HD 3D puisque j'avais le son directement. Ah oui, t'avais le double son. Qu'est-ce qu'il y a, Flora? Oui. Tu veux pas que je sois au casque ou... Je pense que c'est pas trop de... Et sinon...
Sinon, tu prends un casque à côté, tu débranches derrière. Je ne sais pas où on baisse la sensibilité de la souris. Désolé. On va voir. Si elle nous embête, on lui dira. Mais bon, pour l'instant. Flora montre bien ce que je pense. Hein. Oui. Elle n'a pas changé de projet. Elle n'a pas changé de projet. Flora montre bien ce que tu penses. Ils angoissent. Non, tu nous embêtes pas. Alors, hop, c'est parti. Si. Tu nous embêtes pas pour l'instant. Si tu fais trop de bruit. Et qu'on doit te trouver un casque. Bon, les amis, j'ai plein d'énergie. C'est tout est remonté. On a eu le temps, hein, vous en doutez bien. Donc, on va remettre l'anneau de acuité magique. Et l'anneau du voleur, on est bien. De l'épice. Ouais, moi je préfère le tuer avec ça. Hein. Le rayon d'âme, c'est vraiment bien quand c'est saloperie. Où es-tu, petite saloperie? Je le déteste, oui, oui, oui. Ah non, là, il y a des ennemis cons. Eh oh! En fait, pour l'instant, je vais garder l'anneau... L'anneau des points de vie, hein. J'en ai vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas moyen d'avoir un sort pour se remettre des points de vie dans le jeu, quoi. Bah si, mais il faut jouer clair. Enfin, il faut jouer avec des sorts de foi. Et on peut pas avoir les deux? Bah si, mais il aurait fallu monter ta foi dans ce cas-là. Mais j'avais juste un petit sort de vie, toi, pas un... Oui, mais il aurait fallu investir quelques points en foi. Je sais pas combien il faut peut-être 10 ou 12. Et tu peux pas tout avoir dans un solo. Faut jouer longtemps, non? Ouais, faut jouer longtemps, sinon. Tu peux, y a pas moyen de bloquer ton perso? Non, non, le niveau max, c'est genre 717, un truc comme ça. Et ça suffit pas à bloquer ton perso? T'es pas à fond partout? Non, mais après, tu gagnes beaucoup moins... Enfin, tu gagnes des bonus beaucoup moins intéressants au fur et à mesure que tu montes des points. Ouais. Bon, où est-ce qu'il est, le petit con, là? Viens là. Le voilà. Regardez-le. Tiens. Descends pas. Ah oh, Will, qu'est-ce que tu fais? Je vais remettre l'anneau d'acuité, parce que c'est vrai que ça fait quand même super mal. Bon, bah, j'arrive pas à me connecter, je sais plus c'est quoi mon mot de passe. Ton mot de passe pour Twitch, je voulais mettre le chat, mais... Ah. Tu te rappelles pas de ton mot de passe Twitch? Bah non, il est enregistré sur mon ordi, en fait. Tu te rappelles plus de ce que t'as mis? Bah tu peux y aller avec Oui. Ah bah tiens, ouais, je sais qu'il y a un enregistré. Bon, tu veux dire avec le tien. Attends, tu me passes plus enregistré. Ouais, je peux le faire ça vite fait. Tu veux commenter avec mon compte, c'est ça? J'ai pas le choix, j'ai plus mon mot de passe. Bon, attendez, je mets un mot de passe à Nerou, j'arrive. Voilà, c'est vrai. C'est quoi ça, le nude pour ça? Mais arrête de faire n'importe quoi parce que juste je bouge un peu mon épée. Comment ça, ah, les gonzesses? T'en foutrais, ou des gonzesses? Je suis pas sûr qu'ils t'entendent. Hein. Pas grave. Si, je pense qu'ils m'entendent. Hein. D'accord. Ouais, parce que pourtant, le micro... Ah! Mais va-t'en! Eh oh!
Il m'a agressé direct, quoi. Ah bah c'est bon, t'es au boss. Ouais. Ah putain, mais qu'est-ce que tu fais, Will? J'ai enlevé mon buckler, moi, je suis trop con. Ah putain. Will, bouge de là, c'est pas le moment. Putain, il veut pas me lâcher le boss, hein. Ah, je suis mort. Will, arrête. Il monte sur le bras au moment où je suis en train de me battre, quoi. Ah bah t'as voulu le lâcher, t'assumes, hein. C'est pas moi qui ai voulu le lâcher. Bah, il est toujours derrière l'écran, quoi. Oui, t'es chiant. Tu le sais bien en plus. Non, c'est juste parce que c'est là qu'il aimait, quoi. Ah non, mais il est insupportable. Il arrête pas de faire ça en ce moment. Bon, il faut que je me retape tout ça, quoi. Ouais, faut 10 de fois le sort et un cristal, enfin, le truc divin là. Bah non, mais relâche-le, mais faut qu'il reste un peu dehors, mais bon, il est pas cool, quoi. Alors, je disais donc, je vais me remettre l'anneau qui remet des points de vie, parce que c'est chiant ici. Je perds trop d'énergie. Bah le boss t'a fait saigner en fait. Ouais, je veux bien que le boss m'ait fait saigner tout ce qu'il veut. Je savais même pas que le boss pouvait faire saigner. Non, j'étais un peu déconcentré et j'ai perdu mon buckler en faisant bas, tu sais, pour changer de. Pour remettre mes points de vie. J'ai fait Ouais. gauche sans faire exprès, donc j'ai enlevé mon buckler. C'est quoi le sort que je dois éviter? C'est quand il fait tourner ses bouboules autour de lui, là? En fait, il utilise le sort que tu vas avoir. Il va invoquer des boules autour de lui, et plus tu vas le frapper, plus il va en avoir jusqu'à un maximum de 5. Et au bout d'un moment, les boules vont partir en laser sur toi. Et ça, faut absolument que tu l'esquives parce que ça va te défoncer ta bordée. Ah, lui il m'a one shot, pas de problème, one shot direct. Ah oui, je suis mort maintenant. J'ai plus l'anneau. Ah merde. Oh, fais chier. Ouais, il faut l'anneau collant. Le boss, il t'aime bien, il te colle au basque. Hein. Ouais, il fait ça, mais il est vraiment pas très fort. Oui. Ça, c'est grave ou pas? Bah si, il faut que tu fasses. Attends. Ouais, je l'ai copié dans le disque dur de base du disque du truc, qui s'appelle dans D. Dans D, il y a un truc qui s'appelle, il y a un dossier, tu vas le reconnaître.
Il faut que tu ailles, non, va de ça, fais rechercher ici. Regarde. Attends, là. Localiser. Localiser, voilà. Maintenant, va dans D. C'est le disque dur, ça. Donc ça, D. Alors, E. Et E, il y a un truc, tu vois, ça va te parler. Alors, il est où, petit con? Et Will qui fait n'importe quoi, tout va bien. Pour mettre le chien en fait, on change. C'est pas grave, ça. Will, qu'est-ce que tu fais? Bouge de là. Oh là là, c'est pas possible. Chaque fois, il faut qu'il vienne. Hey, mais. C'est pas cool. Là, on va pouvoir retourner voir le boss. Faut que je me remette du mana, faut que je me mette les deux anneaux. Ah, c'est super d'être mort. J'ai beaucoup moins de points de vie, quoi. Et encore, t'es pas en tendance noire. Ah bon, c'est pire. T'as moins de vie. Ah bon? En fonction de la tendance des mondes, t'as une variation de 5% de tes points de vie totaux. Attendre que mes points de vie remontent. J'ai un gros pool de mana, hein, ça c'est clair. Et ça me sert à rien, donc contre ce boss-là, tu me dirais d'y aller au contact, quoi. Moi, je préfère le faire au corps à corps. Après, parce que le truc, c'est il te colle tout le temps. Et Ouais. c'est assez difficile de trouver la fenêtre pour lui caser un sort. Après, si toi, t'es plus à l'aise avec les sortilèges, n'hésite pas. Hein. Bah, c'est juste que j'ai la boule de feu qui est un peu rigolote, quoi. Tu Parce peux que je essayer. peux me déplacer un peu, quoi. C'est vrai. Moi, je l'avais pas, ce sort. Hop, je vais mettre l'anneau. J'ai un anneau qui rendait un peu de PM à la fois. Putain, oui, là! Il vient sur le clavier encore. Je sais pas ce que ça fait, ça. Bon, normalement, j'ai double régène de mana, là. Ça devrait aller assez vite. Ça se cumule, ouais. Oui. En même temps, j'ai un max d'épices fraîches. Voilà. Donc, on va mettre. Je mets quoi comme anneau alors? Parce que j'ai pas besoin de l'acuité magique alors. À part le clingering, mais ce que tu veux, on sait pas, c'est pas très important. Tu Bah, peux je vais mettre l'anneau mettre. de régène PV. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ça permettra de résister un peu mieux. Vu que j'ai pas beaucoup. Bon, ouais, j'étais surpris de comment il a été agressif direct, le boss, hein. Il n'est qu'amour pourtant.
Oh putain, ça fait mal quand même, ces saloperies là, hein. Ah, les boules de lumière, par contre, faut vraiment les éviter, hein. Ah oui, ça fait très très mal. Ah oh. C'est bon, il est mort. Bah bravo, t'as fini niveau 3. D'accord, il est fini, fini. Ouais, c'est fini. Donc maintenant, tu vas pouvoir aller voir Freck et chercher ton sort, bah le Homing sous la rose, ce qu'il a, ce qu'avait le boss. Hein. D'accord. J'ai rien à prendre ici, en fait. Vous avez obtenu l'âme d'un archidémon, le brouillard épais ne devrait plus vous opprimer. Ça veut dire quoi ça? T'as un brouillard qui te gêne au 1-3 et tu peux le passer. Ah d'accord. Je fais quoi alors maintenant? Ouais, il Tu était pas t'en très vas, tu dur. vas voir Freck, tu vas chercher Homing sous la roue et tu vas tuer Yourte dans le Nexus. Parce que j'ai peur qu'il tue Freck. Alors attends. Fais ça tout de suite avant même d'avoir passé des niveaux, Non, tout ça. tu vas chercher Homing sous la roue avant. Ouais, D'accord. tu fais ça avant de passer des niveaux. Ok, je fais ça en premier alors. Donc Ferrex, c'est ça? Ouais, Freck. J'espère qu'il est pas mort. Non, il a l'air d'être là. Il faut que j'apprenne. Homing sous la roue. Flèche Flèche cherchard. chercheuse. Ouais, c'est ça. Cherchame. Ça y est, c'est fait. Tu peux les équiper. Oui, est-ce que j'ai en plus de quoi mémoriser un nouveau sort? Ah, il prend 2 slots celui-là par contre, donc il va Ah. falloir te séparer d'un sort que tu n'utilises Wow, je pas. vais virer flèche d'âme. Ouais, les flèches d'âme classiques. Ok. Et tu veux que je tue l'autre? Ouais, Yur, tu vas aller le tuer. Il est quand tu montes les marches, il est sur la droite. Bon, pas les marches pour aller au niveau, mais les C'est autres pas lui, marches. Yurt, c'est qui? Yur, c'est le mec qui capte la TNT avec son casque. C'est le mec que t'as libéré au 3-1. Au Mais 3... sauve-toi, il meurt. au 3-1, attends. Il capte la TNT avec son casque. Attends, mais il est où? C'est pas Tu vois le son. côté, tu vois le côté où il y a les mages à côté des, enfin les escaliers. Tu les prends, pas ceux pour aller dans les mondes, hein, les autres. Ouais. À droite ou à gauche? C'est quoi ce bordel? C'est Flora qui s'amuse. Je m'amuse pas, À je suis droite. bloquée, je peux rien faire. J'arrive. D'accord, donc je prends ces marches, là, oui. Et une fois que tu as accès à un passage, tu vas à droite et normalement au bout, t'as un mec en armure avec des grosses cornes sur la tête. Là, il y a un cadavre. J'ai trouvé une âme. Ouais, fouille encore. Ah, et là? T'as un mec qui tu Ouais. veux lui parler et c'est un mec dans une armure avec des grosses cornes. Ouais, je vois. Tue-le. D'accord. Ah! Il n'est pas d'accord. Oui, c'est pas grave ça. Tiens, tu connais ce pouvoir? Tiens, on va tester ma nouvelle. Oh, c'est bien, dis donc! Ouais. 420! C'est rigolo, hein? Et ça aim! Ouais. C'est bien. On va bien s'entendre tous les deux. Alors, je t'ai demandé de le tuer parce que Il va tuer, sinon, ce des mecs? personnage, c'est un assassin.
Et il va tuer absolument tous les personnages du Nexus, à part la fille en noir, Thomas et le forgeron. Sachant que s'il tue Freck, tu pourras pas aller chercher les autres sorts que je veux te faire prendre plus tard. Oui, forcément. Enfin, il y a un seul sort que je veux te faire prendre, c'est la boule de feu du Dragon God. Bon, maintenant tu peux aller prendre tes niveaux quand même. Oui, attends, je me suis juste rééquipé de la bague du voleur. J'ai toujours la bague de récupération. Oui, bah alors là par contre, je te conseille de mettre l'anneau qui augmente les dégâts magiques et l'anneau du voleur. Ouais, je vais virer récupération. Alors. Ok, c'est parti. Alors, prendre mes niveaux. Je vais peut-être consommer les âmes que j'ai sur place. Bien sûr, consomme tes âmes. J'ai une âme de soldat célébré. Qui fait quand même 2000, hein, c'est pas négligeable. Je vais aller réparer. T'as fini le monde 3 quand même, c'est chouette, hein. Ah bon, c'est chouette. Bah, c'est un bon début. Tu vas aller finir le monde 2 maintenant, une fois que t'auras pris tes levels. D'accord. C'est vrai que j'ai pas tué le boss du monde 2. Non, le Firelurker, enfin le Flamelurker. Putain, mon buckler, il encaisse, hein, il prend jamais de dégâts. Clair magique. Qu'est-ce qu'il y a, Will? Tu voles les clés de la voiture? Tu cherches juste à faire des conneries, en fait. C'est ça, ton but. Elle est où, la gana? Elle est où, la nana? Elle est sûrement à côté, tout en haut des escaliers, là où il y a les mondes. Elle Ouais. est presque tout le temps là où tu sors. Enfin, là, quand tu termines un monde, Ouais. elle t'attend souvent à côté de celui-ci. Heureusement qu'elle est là, elle, quand même. Hein. Sinon, ce serait difficile comme jeu. Si jamais un jour tu la butes, d'ailleurs par erreur, elle ressuscite automatiquement. C'est un personnage qui peut pas mourir. D'accord. Je prends quoi alors? Je continue de prendre de l'inté ou je prends de la magie? J'attends de voir ton tableau apparaître. Ça marche ou pas alors? Ça arrive. T'es sur rechercher le pouvoir d'âme. Alors, t'as 30 en magie, 24 en intel. Tu bourres la magie. Ouais. Bon, voilà. D'accord. Tu vas au monde 2 maintenant. D'accord, non, mais on reprendra ensemble. Ouais, mais il est en train de faire de la génération de fichiers aussi. Redémarrera tous les deux si tu veux. Alors, je fais quoi? Tu vas au monde 2 et tu le termines. Avec ces armes-là, pour l'instant, je suis bien. Ah non, bah là c'est bon, tu ramasses plus rien, tu finis le jeu. Ah bon? Je vais juste te faire récupérer un dernier sort qui se ramasse sur le boss du 2-3, Que fera maman? Et on qui est dit qu'on fera sur la plateforme, mais. un dieu. Mais bon, pour l'instant, va tuer le Flamelurker, tu te souviens du raccourci, tout ça? Ouais, c'est bon. Ce que je capte Voilà. pas, il me reparle de mettre l'anneau du voleur alors que je l'ai déjà. Vous êtes rigolo, hein. Alors, t'en as pas besoin sur ce boss, mais bon. Bon, il sera pratique, non? Il m'oubliera. Tu vas le tuer en 3 attaques. Ah ouais. Non, mais. C'est Tu pété. te rends pas compte à quel point Homing Sularo s'est pété. Je pense qu'il faut que tu le testes sur un D'accord. boss. Écoute, on y va, hein. Flèche Cherchame. Putain, c'est vraiment un nom nul en français. Hein. Homing Sularo en anglais, un peu plus parlant.
Ça fait mal quand même. Est-ce que je peux descendre comme ça? Ouais, bon, je vais prendre des dégâts le temps de descendre, mais... Vous dites qu'en restant tout à gauche, c'est possible? Comment ça, en restant tout à gauche? Enfin, ou tout à droite. Tu parles de la descente? Ouais. Souviens-toi de ce que t'as fait, descends tranquillement. Ouais, Te ouais, presse pas. bah. Bah non, mais je T'as vais le descendre. temps. Ouais, non, c'est pas ça, c'est que je vais descendre. Comme je sais faire, quoi. Ouais, voilà. Ah merde, je suis tombé un peu. Ouais, trop. C'est cette phase-là que je sais pas bien faire. Ouais, bah il va falloir que je remette mon l'autre anneau alors. Ouais, bon, c'est pas très grave. Bah, ça veut dire que j'ai pas d'anneau du voleur. T'en auras pas besoin, hein. D'accord. Il en a pas vraiment besoin, Garlandémon, vu que bah tu peux finir le jeu avec juste avec ça. Enfin, moi j'ai fait le test hier, j'ai fini le jeu en 4 heures et t'es jamais bloqué à un boss. Surtout que je suis pas sûr qu'il ait les bonnes pierres pour upgrader son fauchon. Parce que je connais pas le nom en français. C'est les Cloudstone. Oh putain, oh putain, c'était chaud. Attends, le temps de la descente, je vais mettre l'anneau de récupération parce que je perds un peu d'énergie. L'acuité magique va attendre. Pour l'instant, la descente, de toute façon. C'est pas la magie qui va me sauver. Et le catalyseur s'upgrade pas aussi. Ouais, D'ailleurs. attends, j'arrive. Ah ouais, ça roule. Non, mais je vais lui faire prendre d'autres trucs. Le fauchon, il lui faut vraiment des pierres particulières. S'il veut aller voir pour l'upgrade, je lui dirai après, mais c'est pas vraiment essentiel. Par contre, je vais lui faire prendre un sort supplémentaire. Je vais lui faire prendre la boule de feu. La boule de feu, par contre, c'est vraiment puissant. C'est bizarre. Mais vu qu'ils trouvent pas le premier, ils trouvent pas les autres. C'est bizarre ça. Hop. Hop là, désolé. C'est bien, mes points de vie sont remontés en attendant. Cette phase-là, là, que je sais pas bien faire.
peux tomber là, c'est plus sûr. Ouais, ça c'est pas mal. Tu fais quoi, toi? Joue à Jojo. Bon, espérons tuer ce boss. C'est marrant de se voir parler dans le chat. Et c'est toi, hein. C'est moi, c'est ça. Tu es multitâche, c'est beau. Je sais tout faire. Ah putain, les échelles, quoi. Je comprends qu'ils en aient pas mis beaucoup, hein. C'est long. Effectivement. Oh là là, et oui, il fait n'importe quoi. Ah, tu peux écrire ton article, hein. Je suis pas d'accord. Bon, j'ai retrouvé le problème. Donc, je m'équipe de cherche âme et je bourre dans le tas, c'est ça? Faut pas bourrer, faut attendre qu'elle parte. Faut le lancer à une certaine distance du boss, pas trop près, pas trop loin. Mais bon, bref, tu vas voir. En théorie, il est mort en 3 ou 4 sorts. D'accord, et s'il est capable de m'oublier, c'est plutôt cool, quoi. Aussi. Je sais juste pas s'il aura le temps. De m'oublier? Oui. De toute façon, j'ai pas la bague du voleur, là. N'oublie pas ton anneau d'acuité magique par contre. Non, non. Aïe, ça fait mal. Aïe, c'est vrai que ça lui fait super mal, effectivement. Ah, oh. Ah merde, j'ai plus assez de mana. Mana, 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 mana. Ah là, il est mort. C'était dur, hein. Ouais, le fait que j'ai plus de mana, j'étais la merde, ça marche plus, ça marche plus. J'avais pas vu que Ouais, ça bouffe. faut faire gaffe à ta barre de mana par contre. Effectivement, ça bouffe, quoi. Bon, bah voilà. Il était pas si Bah, dur ce boss, je l'ai tué en deux GG, hein. fois. Toi, je l'ai tué en deux fois le boss. Bah, je rentre, je prends mes niveaux et je reviens. Ouais, tu peux bouffer son âme aussi. Attends, je vais regarder un truc. Ouais. Je crois pas que je puisse forger quelque chose avec. Enfin, prendre un sort. Dans le doute, je vais quand même regarder. Je prends des pierres. En attendant, je vais récupérer ce qui traînait. Magic and Miracle. Ah bah une âme de héros, c'est bien ça. Non, c'est bon, tu peux la bouffer son âme.
C'est l'âme du boss d'après qu'il faudra pas que tu bouffes. D'accord. Il est d'accord avec Serve? Oui, oui, avec Serve, il est d'accord avec tout ce que je dis. Donc l'âme du démon rouge de feu, je la bouffe. Et voilà, je suis à 46 000 et on va aller... Oh non, je suis à plus que ça. Je suis à 52 000, 53 000. On t'a magie jusqu'à 40. 40? Ouais. Ah ouais. Oh, Nero qui troll dans le chat. Pourquoi? Je fais quoi? Rien, tu me fais rire. Alors, on a dit que j'allais prendre des niveaux. Où est-elle, la grosse? À chaque fois, je la perds. Ah, tu es la grosse. Elle est à côté du niveau de là où t'es. Non, bah là, elle y était pas, mais c'est pas grave. Donc, que de la magie encore? Oh, ouais, ouais. Si vous entendez la musique, vous avez le droit de gueuler. Me voilà à 37. Oh, c'est bien. Ouais, tu peux aller au 5... au... pardon, au 2-3 maintenant. Au 2-3 direct. Ouais, tu vas finir le monde 2. Non, bah, j'ai rien cassé. Bon, je vais rester à 4000. Alors par contre, je vais enlever... le... Laisse l'anneau du voleur. Oui, l'anneau du voleur, je garde. C'est, je vais enlever le... l'anneau et de la bague collante. Un anneau de régène de mana avec. Je garde pas l'acuité magique. T'en auras pas besoin de contrôler. Tu vas vite comprendre pourquoi. Tu m'as dit. Bague de flagrance? Mais non, je vais avoir besoin de beaucoup de PM parce que là, je vais me remettre des PM à une vitesse 2000. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Will? Alors. Bonne nuit, Exerve. Bonne nuit, Exerve. Bonne nuit, Exerve. Alors. Archipierre du rôdeur enflammé. C'est parti. Là, c'est l'aventure, c'est ça? C'est rigolo. Ah oui, d'accord, il n'y a rien du tout, quoi. Direct, c'est, bah, y a un... c'est tout droit, il y a un autre boss, quoi. Oui, voilà. Et là, je vais voir le boss. Bon, bah allons-y. Hein. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, c'est un gros dragon. Ce qu'a marqué Will Smith. Oh putain, c'est exactement ça le black metal. Il y a un gros dragon et je suis pas confiant quand même là. Et si, t'inquiète, tout va bien se passer. J'ai l'impression que t'es déjà prêt à te foutre de ma gueule. Non, moi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça se tape avec quoi ça? Oh putain. Ah bah il m'a one shot. Je sais pas comment le taper pour l'instant. Si je peux le taper. Tu veux que je t'explique comment il marche le boss? Ouais, peut-être. Si, à moins que ce soit vraiment passionnant et qu'en fait c'est génial. Non, c'est pas très intéressant. Je trouve que c'est le boss, c'est un des boss ratés du jeu. Ah ouais? Le boss, tu peux pas le taper. En fait, c'est un boss puzzle. L'idée, c'est tu vas devoir passer sur la droite. Et vu que tu as la magie, tu vas rester caché derrière une colonne. Et tu vas tirer des sorts sur les, des colonnes en pierre effondrées pour pouvoir passer. Donc, je vais virer la bague du voleur par contre. Non, il a faux. Non, 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 tu la gardes. Tu mets anneau du voleur
et anneau de régène de mana. Mais j'ai pas beaucoup de points de vie, hein. C'est pas grave, il va te one shot de toute façon. De toute façon, il me one shot, d'accord. Si jamais il te voit, il te tue en un coup. C'est un jeu de cache-cache, faut que tu restes caché derrière les piliers. Et en fait, tu casses les piliers avec ta magie. Et Avec, quand tu avec, passeras. avec quoi? Avec rayon d'âme? Non, pas rayon d'âme, plutôt ton Oh. sort de feu. Le rideau de feu? Ouais, rideau de feu, c'est bien. Je vois pas comment aller à droite là. Ah bah je suis Tu dois mort. casser les colonnes avec ta magie, mais de loin. Non mais ça marchait pas, ça les pétait pas. Si, si, faut que tu tires plusieurs sorts. Ça fait même pas, je crie que je me casse un peu quoi. C'est la première, le fera pas. Alors Parce peut-être que que. le feu ne fonctionne pas, par contre. Ouais. Reviens au Nexus et va chercher. Enfin, échange ton sort de feu contre Le le truc sort est... d'âme que tu avais au tout début. D'accord. Je savais pas que le feu fonctionnait pas. Donc je fais la même, sauf que tu restes de loin pour le faire. Tu restes caché derrière la première colonne. D'accord. Non, j'avance pas autant que ça, quoi. Ah non, 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 tu vas te faire défoncer. Ouais, j'ai vu, hein. Il m'a fait la gueule, hein. C'est ça le fait que le mec il vienne tuer des gens au Nexus en fin de compte. Ah oui, assez. Et tu le sais pas que c'est lui? Non. Tu peux t'en douter parce qu'il a l'air méchant, mais. En fait, quand il a tué tout le monde, à la fin, il te parle, il te dit bon, bah, j'ai fini ce que j'avais à faire ici, il me reste plus qu'une chose à faire, vous tuer. Et il te tue? Bah, il essaie en tout cas. Et toi tu le défonces. Si t'es bon, oui. Mais c'est qui en fait ce gars-là? Pourquoi il veut tuer les C'est gens un gars qui travaille pour Méphistophélès. C'est un personnage que tu peux débloquer si la tendance de ton personnage elle est en pur noir. D'accord. Alors quoi? Ah, ça Toi, discute, hein. vu que t'as pas tué de PNJ, t'as tendance à les neutres toujours. D'accord. Mais pas bonne non plus. Bah, les neutres. Elle pourra être bonne que si tu tues des Black Phantom ou des démons primordiaux, mais c'est compliqué. Enfin, offline en tout cas. Et blanc, comment tu fais ça? Je t'ai dit, il faut soit tuer des Black Phantom Ah oui, d'accord. qui apparaissent quand les mondes sont en tendance pure noire, ou des démons primordiaux qui apparaissent quand les mondes sont en tendance pure noire. Ah, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué. C'est plus facile d'être un pur noir qu'un pur blanc, quoi. Ah oui. Parce que pour faire, pour que tes mondes virent Oui, en c'est pur vrai, dit noir. comme ça fait bizarre. Pour que tes mondes virent en pur noir, il faut que tu meures dedans en forme humaine. Et pour que ton personnage vire en pur noir, il faut tuer des PNJ. Ah, il y a Nero qui chante. Oui, il y a Nero qui chante. Ah, c'est Robot Unicorn en attaque. Ah putain, c'est long à péter, hein. Ouais, par contre c'est long, mais c'est safe. D'accord. Et après, je cours jusqu'au prochain pilier, c'est ça? Quand il te regarde pas. J'insiste sur le quand il te regarde pas. Pas facile le viseur. C'est le jeu anti-viseur. Mais C'est pas ça. vas-y. Mais au moins t'es safe, hein. Ouais, mais là, elle veut vraiment pas viser où il faut. Hein. Faut jouer avec la caméra. Non, tu crois? Tu vas y arriver au bout d'un moment. Will, qu'est-ce que tu bouffes, putain? On va pas tarder à le remettre lui, hein. Il est bien casse-couille.
Ça y est. Non, il a pas l'air de m'avoir vu. Ah, là, il me cherche. Tout au bout, sans t'arrêter. Là, il me cherche un peu, là, le boss. Ouais, quand il a les yeux rouges et qu'il crie, c'est qu'il est pas content. Non, mais là, il crie pas. Il est juste à côté de moi. Il se dit, voilà, je la sens. Au bout, tu vas trouver un harpon à activer. D'accord. Putain, il veut pas me lâcher, là. Il se rapproche à chaque fois, j'ai l'impression. Il est pas... Vous avez encore le jeu qui a coupé le son, non? Enfin, c'est Skype qui fait ça. Ouais, vous avez encore le son coupé. Allez, je vous mets la musique du boss. Ah, il veut pas bouger d'ici, hein. Bon, on court. C'est pas grave. Attends, il est où le harpon? C'est bon. Je crois que c'est bon. Alors. Je fais un pause play parce que j'ai l'impression d'être super loin. Bah là, il s'est pris un coup de harpon. Ouais, il a pas dû aimer ça. Non, et apparemment, c'est pas cool. Normalement, t'as des escaliers. Attends, Ils sont apparus parce qu'il a mis un coup de patte dans le... Ouais, c'est bon, je les vois. Alors, il est possible avec une roulade, sans tomber, de monter sur le rebord de l'escalier et de faire un gros séquence break qui squeeze un quart du boss. Alors attends, où ça? Je sais pas si tu vois, t'as des escaliers qui descendent, on est d'accord? Oui, là je suis caché dedans en fait. Ça sert à rien, il peut rien te faire ici. Et t'as un petit rebord sur ta gauche. Enfin, là, t'es descendu un peu trop d'après ce que je vois. Oui, je te dis, c'est ce que j'ai fait. Will! Putain, mais où il est? Il a réussi à passer derrière encore? Attends, faut que j'intervienne sur Will, là. Je vais le mettre, vas-y. C'est pas possible. Trop casse-couille, quoi. Il veut aller que là, hein. Il sort de là, hein. Allez. C'est pas possible ça. Ouais, tu pars, mais il a pas envie. Allez, rentre. Oh, mais il est rentré. Voilà. T'es casse-couille, tu rentres. Je te l'ai déjà dit. Hein. Hop, désolé. Voilà. Bref. Le dieu dragon, on en est où? Tu me disais, excuse-moi. Je te disais, alors attends, là je vois ton perso, il faudrait que tu remontes en haut des escaliers. Ouais, c'est bon, je suis en haut des escaliers là. T'es en haut là? Ouais. Enfin, y'a un gros délai ce soir alors. Ah, je peux pas être plus haut là. Ah oui, je vois où t'es. Tu vas au niveau des escaliers quand même, pas forcément rester tout en haut. Tu vas à l'entrée des escaliers, là où ça commence. Ouais, c'est bon. Et l'idée, c'est de monter sur le rebord de l'escalier pour sauter en bas. Tu vas pas mourir, faut pas tomber dans la lave, c'est tout. D'accord, je vois à peu près le principe. Voilà, et en fait, ça va te faire squeezer un quart du boss. Faut que je fasse une roulade dans l'angle là? Ouais, c'est l'idée, ouais. Enfin, tu fais une roulade pour atterrir. Enfin, je pense que tu vois où il faut atterrir. Ouais, je vois à peu près le principe. Là, tu vas me faire une roulade, mais avoir un peu peur. Ouais, c'est... Ah, je suis tombé trop bas, je pense. Ouais, je suis mort. Ah, bon, t'as compris ce qu'il fallait faire, je pense. Ouais, c'est rigolo, mais bon. C'est pas facile. Ouais, Skype, au bout d'un moment, il vire le son, quoi. C'est son kiff. Je pense qu'avec ta première roulade, tu pouvais monter sur les pierres et descendre, en fait. Oui, non, mais c'est ce que je voulais faire, hein. Ça s'est juste mal passé. Hein. D'accord. Oh, bah ça va. T'as compris comment faire.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Il y a quelqu'un que je connais. Ah, mince. Non, je suis mort. Il m'a vu là. Non, ça mord pas, je cherchais là. Xsurf, c'est une bite. Oui, non, mais c'est une connaissance commune. D'accord, entre toi et Xsurf. Ouais, ouais. C'est un mec très riche qui se torche avec de la soie. Très bien. Bah, tu peux venir à la maison quand tu veux, hein, amène de la soie. Un mec qui s'appelle Notmomog. Pour faire caca dedans. Oh, j'en suis morte. D'accord. La pierre rare, c'est la pierre tranchante pure, il me semble, en français. C'est la pure Sharpstone. Hey, mais comment il fait pour me tuer là? C'est pas là que j'étais tout à l'heure? Ah oui, faut pas qu'il te voie du tout. Ah oui, faut que tu restes derrière tes colonnes. Mais là, comment je fais pour... Comment j'ai fait tout à l'heure, en fait? Bah, t'étais bien caché. Là, parce que sinon, il pète les cailloux, lui. Il a rien à foutre, quoi. Ah, lui, il s'en bat les couilles, hein. Et c'est pas un dieu dragon pour rien, quoi. Bah, non. Après, je suis déçu que le combat contre le boss soit juste ça, un puzzle à la con, quoi. Ouais. Tu vas utiliser deux harpons, et à la fin, il va être écrasé au sol. Et tu vas juste mettre une attaque magique dans sa corne et il va mourir. C'est un peu la tristesse, ce combat de boss. En même temps, t'aurais du mal à le faire à la main, quoi. Ah, mais j'aurais kiffé le faire à la mano. Oh putain, visé avec ce sort de merde. Ok. C'est cassé. Regarde de l'autre côté le boss. De l'autre côté. Allez. Dépêche-toi, tourne la tête. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que c'est chiant de viser ? Pardon. D'ailleurs, si jamais t'arrives à ce stade du jeu avec le monde en pur blanc, tu peux récupérer une arme très puissante. C'est une épée à deux mains qui s'appelle la Dragon Bone Smasher. Qui est faite pour tuer les dragons. Ça tue tout. C'est très puissant. C'est vraiment pété. Mais t'es obligé d'avoir le monde en pur. Qu'est-ce que c'est relou. Moi je déteste ce passage, je le trouve vraiment nul à chier. Ouais, puis c'est pas jouable. Ça y est, j'arrive enfin à tirer où je veux, quoi. Putain, l'ajustement 2000, quoi. God of War, c'est quand même mieux, hein. Les lapins, c'est bon, par contre. Les lapins? Bon, y'a à manger, quoi. Ah oui. Un lapin au pruneau, c'est super bon. Parce que là, ça parle de manger des lapins. Ouais. Moi, je mange que les lapros. Les lapros? Oui, elle est végétarienne, oui. Je vous ferai tous au curry. C'est vachement bon, le lapin au curry, j'en suis sûr. Non. Bon, je vais aller chercher. Alors attends, faut que j'arrive à rouler. Ah, la moutarde s'est pété aussi. Donc, et faut que je tombe où après en fait? C'est ça, je veux du mal à voir la suite de la route sans mourir. Juste en bas. Tu sais, là où. Enfin, pas là où l'escalier forme un angle, mais le côté qui est face à toi si tu veux. Alors là, je suis sur le bord. Attends, je vais attendre de te voir sur le bord.
Faut que j'aille plus loin dans sur le muret. Oui. Attends, j'ai pas encore vu ton perso atterrir là où il fallait. Ouais, tu peux normalement tu peux avancer sur le muret. Et merde. Non, ça me fait glisser. Ouais, tu vas voir. Fais pas chier et prends la route normale. Ouais, au moins on va. Il a fait 10 992 à Robot Unicorn, John, à 25 700. Bon, on va le faire legit pour l'instant. Vu que je vois pas comment passer facilement. Et en fait, ça fait quoi? Ça déclenche la cinématique d'après? Non, mais tu sautes un quart du niveau. Ça te fait deux poutres en moins à casser avec de la magie. Oui, c'est vrai que c'est chiant. Putain, il a l'air tellement pas content, quoi. Le kangourou, c'est bizarre comme viande. Ah ouais? C'est sec en fait. Enfin, moi j'avais trouvé ça super sec quand j'en avais bouffé. L'antilope c'est bon par contre. Jamais mangé ni l'un ni l'autre. J'avais été bouffé dans un resto africain et je m'étais vraiment fait plaisir. J'avais bouffé du kebab d'antilope et ça déchire. C'est le meilleur kebab de ma vie. Oh, quelle visée du premier coup. Ah, j'avais trouvé ça sec, mais peut-être que j'étais tombé sur un du mauvais kangourou. Est-ce qu'il y a du kangou brun ou du kangou blond? Je pense qu'il y a du kangou blond. Ouais. Je pourrais pas bouffer une kangourou, ça me ferait trop mal au cœur. Mais... une kangourou. Ah, le canard c'est bon aussi. Le canard c'est bon. Ouais. J'ai un bon fait pour le canard laqué. J'ai un ami qui le cuisine très bien. Bah, le confit de canard c'est un truc de ouf. Ouais. C'est une des bestioles que je préfère bouffer, le canard. Bon, je descends l'escalier, tranquillou. Oh, un cadavre. Je me demande comment il a fait pour venir jusque là sans tirer une flèche dans le dragon. Ok. Ah bah non. J'ai jamais mangé du hachis parmentier de canard. Ça me dit rien non plus. Après, je cours pas après le hachis parmentier. J'aime pas trop les plats à base de patates. Sauf exception. Là, c'est bon les patates. Ouais, c'est bon, mais. Je cours pas après. Chez toi, on va pour Robot Unicorn. C'est possible, oui. C'est fort? Non, mais je pensais qu'on travaillait, moi, ici. Ah bah, c'est Flora, là. Elle s'est mise à Robot Unicorn. Elle joue avec le chat, je crois, non? Non. Y a pas des gens qui font des high scores? Si, y a Genogame, je crois, qui a fait un high score. Ah bon. Mais là, j'essaie de fuir un débat sur végétarisme parce que j'ai la flamme. Apparemment, j'ai le gamin végétarien et du coup, je me sens moins seul. Une personne de plus dans les 2%. C'est... Des végétariens, il y en a plein. Hein. Il y a 2% en France. Ouais, ouais c'est beaucoup. Hein. Flora, elle trouve que c'est peu. C'est vrai qu'en Angleterre ou aux Pays-Bas, on est plutôt aux alentours de 10%. Quoi. 20%. Ouais, c'est énorme. 20 même.
Après, les gens mangent bien ce qu'ils veulent. Hein. Alors, dans quelle étagère? Allez, bouge ta tête de là, dragon. Lève la tête, voilà. C'est très bien, ça. Je vais peut-être refaire de la En Angleterre, ils ont pas le choix tellement c'est dégueulasse. C'est vrai que c'est pas bon. Hein. Ils savent pas faire à manger, hein, les Anglais. Ah, ils ont des petits problèmes avec ça. Hein. La bouffe là-bas, j'ai cru que j'allais mourir de faim. Y'a rien qui est bon là-bas. Ah si, le fish and chips encore, c'est ce qu'il y a de moins dégueu, quoi. C'est super gras, quand même. Ah bah, faut aimer le gras, oui. C'est bien par là, Isangoen, hein. Je me balade, tout ça. Tu peux pas te perdre, c'est tout droit. Et là, je cours jusqu'au bout, c'est ça? Alors, le problème, c'est qu'au bout, tu vas avoir droit à un caillou et t'auras pas le temps de le tuer avec la magie. Donc, il va falloir que tu prennes ton fauchon à deux mains et que tu lui tapes dessus. Par contre, il va bien falloir que tu regardes les mouvements du dragon. Parce que là, c'est le dernier caillou à péter. Donc, faire attention. Tu regardes la tête du dragon et à un moment, il va bouger la tête et il va la monter et... comme s'il faisait des mouvements de cou en arrière et qu'il avait mal à la nuque. Et à ouais. ce moment-là, tu cours sans t'arrêter, tu casses le tas de cailloux qu'il y a au bout et tu continues à courir. Ah merde. J'ai raté un peu l'escalier, mais ça a l'air d'aller. C'est bon. Tiens! Prends-toi ta flèche! Ah, on bouge moins là! Hein. Voilà, alors maintenant qu'il est mort, tu vas t'approcher de lui doucement parce qu'il y a toujours des flammes qui sortent de sa gueule et tu vas les éviter évidemment. Enfin, tu, de toute façon, en théorie, tu n'es pas censé te retrouver devant. Tu te mets pas trop loin de sa corne, tu fais un homing sous la roue et t'attends. Alors, je m'approche doucement de sa corne, c'est ça. Je redescends l'escalier là. Ah ouais, là il est mort le boss. Fais gaffe à pas tomber ou à pas te prendre son feu. Sinon tu te retapes tout. Ça fait envie. Ah bah. Et après, après ce boss, tu vas échanger son âme contre un sortilège à frac. Le homing sous la roue, ça marche comment? J'ai juste. Faut que je sois où? Pas trop loin de sa corne. Enfin, de son espèce de corne qu'il a au menton. Et tu te mets pas en face de lui parce qu'il crache du feu en bas. Ouais. Pourquoi il tire pas mon homing sous la roue? Parce que t'es trop loin, ça. Faut que tu descendes, hein. Ah merde, j'ai plus de mana. Ah, faut que je descende, c'est ça le truc. Voilà. Il est pas mort, hein. T'en refais un deuxième. Ça a l'air extrêmement douloureux, le homing sous la roue. Hein. Un peu. Ah là, il est mort.